Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est une grande joie pour moi, comme chaque dimanche, de vous accueillir chez moi pour partager avec vous mes connaissances de l'oracle du Petit Lenormand. Tout d'abord, avant de commencer, je veux vraiment remercier tout le monde qui ont pris le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire. Vous avez rendu vraiment ce jour spécial. Et je tiens aussi à vous remercier pour ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Cela m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur. Je n'attendais pas autant de vous. Et vraiment, je vous remercie. C'est vraiment, comment dire, une belle surprise. Pour la vidéo de cette semaine, je souhaiterais parler des méthodes de tirage. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, je fais partie de beaucoup de groupes d'études anglophones, francophones, sur Facebook, sur le Petit Lenormand. Et je vois que beaucoup de personnes ont des petits soucis pour comprendre un tirage et comprendre le sens des cartes. D'accord? Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ça le plus clairement possible pour que vous puissiez, vous aussi, faire des tirages qui sont précis, qui sont faciles à comprendre et aussi des tirages qui vous rendent heureux et qui vous rendent confiant dans vos talents d'être un cartomancien. Lorsqu'on fait un tirage, c'est qu'on imprègne les cartes de notre question, on fait une coupe et on tire un nombre de cartes données. Et ces cartes vont refléter la réponse ou la guidance ou l'énergie de la question posée. D'accord? Donc les tirages peuvent être des tirages à 3 cartes, à 5 cartes, à 9 cartes, à 13 cartes, à 21 cartes, à 36 cartes, autant de cartes que vous voulez. Mais si vous venez de commencer le Petit Lenormand ou sinon que ça fait un petit bout de temps que vous pratiquez, mais vous n'avez pas encore cette aisance, moi je vous conseille de faire des petits tirages. D'accord? Limitez-vous à un seul tirage. Donc, si vous fixez 5 cartes, faites les 5 cartes. Si vous faites 9 cartes, vous cantonnez aux 9 cartes. Mais ne rajoutez pas des tirages de 9 cartes, plus un petit tirage de 3 cartes, plus un autre petit tirage de 5 cartes. Il faut savoir que plus de cartes ne veulent pas dire forcément plus d'informations. Souvent, des fois, beaucoup de cartes vont vous faire perdre le fil de votre interprétation. Et vous allez penser que les cartes ne vous écoutent pas, que les cartes ne ressentent pas ce que vous voulez comme réponse et que vous n'avez pas de connexion avec elles. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oracle est direct. Il est direct et clair. C'est vous qui êtes le maître du jeu. C'est vous qui décidez de la question. Et quand elle vous envoie la réponse, il faut interpréter chaque carte d'après le contexte de votre question. D'accord? C'est pour ça qu'une carte a plusieurs significations, parce qu'elle a plusieurs significations dans différents contextes. D'accord? Comme le renard, c'est une carte générale qui parle de travail, mais dans certains contextes, elle peut vous dire d'être intelligent. Elle peut vous dire aussi de vous méfier. Elle peut aussi des fois représenter un praticien, comme un médecin, comme un guérisseur, ou sinon un voyant. Il y a différentes façons d'interpréter une ligne de carte. D'accord, vous avez la méthode narrative qui consiste à lire les cartes de gauche à droite, comme lire un livre, comme lire une histoire, où les premières cartes vont vous donner le ton de l'histoire et les dernières cartes vont donner la ponctuation ou la réponse à votre question. Et il y a aussi la méthode de la carte centrale. Moi, c'est la méthode que je préfère, c'est la méthode que j'utilise. C'est que dans une ligne de cartes, je commence toujours par la carte qui est au milieu. Dans un tirage de 5 cartes, ce sera la carte numéro 3. Dans un tirage de 3 cartes, ce sera la carte numéro 2. Je commence toujours par le centre. Et le centre me donne une idée de ce qui se passe. Et après, je commence à lire de gauche à droite. Comme je vous ai dit, les premières cartes vont donner des informations sur la situation. Et la fin de la ligne va vous donner une ponctuation, elle va vous donner des éclaircissements. Donc c'est tout simple. Quand on lit un tirage de cartes, c'est une histoire qui est présentée devant vous. C'est une histoire qui n'est pas écrite, elle est symbolique, parce qu'on utilise les symboles du Petit Lenormand. C'est à vous de décrypter ces signes, c'est à vous de décrypter ces symboles. Quand vous faites un tirage, la première chose, c'est de balayer
votre jeu d'un regard et voir par exemple qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort le plus dans ce jeu. Est-ce qu'il y a plus de cartes négatives, plus de cartes positives, plus de cartes neutres? Est-ce que j'ai des rencontres flagrantes, comme par exemple si on parle d'amour, si j'ai le cœur et le bouquet, il y a un cadeau ici qui se passe, un cadeau affectif, un sentiment partagé. Donc je regarde s'il y a aussi des cartes maîtresses qui parlent de ma question. Et je regarde aussi les cartes à jouer. Est-ce qu'il y a des rencontres de cartes? Est-ce qu'il y a deux rois, trois rois, deux sept, deux as? Donc tout cela, ça paraît compliqué quand on n'est pas habitué. Mais tout cela va, comment dire, donner en profondeur à votre tirage. D'accord? Un tout petit tirage de cinq cartes. C'est un tirage qui est très riche parce qu'on a plusieurs étapes. C'est comme décortiquer une oignon, comme éplucher un oignon. Et il y a plusieurs épaisseurs pour arriver au cœur. Donc c'est pareil, on décortique jusqu'à arriver à la fin du tirage. Mais pour commencer déjà, vous choisissez soit une méthode narrative ou sinon une méthode de la carte centrale. Vous commencez votre interprétation de la gauche à la droite, en sachant, gardez bien en tête que le début du tirage, c'est le début de l'histoire. Et plus on va dans les cartes, c'est plus on avance dans le temps, d'accord? Et sachez que la dernière carte va toujours marquer la ponctuation. C'est pour ça, souvent, quand je fais les tirages, vous verrez que je dis que la première carte, c'est la carte d'ancrage, parce qu'elle parle de ce qui se passe, et la dernière carte, c'est la carte réponse ou la carte conseil, parce que c'est elle qui ferme le jeu. D'accord? Déjà, juste en faisant ces petites choses, vous aurez déjà une idée de ce que le tirage veut vous faire. D'accord? Et je tiens aussi à préciser, dans la méthode du oui ou du non, quand on fait les tirages, je vous ai dit que plus de cartes positives, c'est un oui. Et plus de cartes négatives, c'est un non. D'accord? Maintenant, il faudra bien poser votre question. D'accord? Parce que si par exemple vous posez une question avec une issue négative, par exemple, est-ce que Paul va aller en prison? Il faudra être d'accord avec vos cartes que les cartes positives vont représenter un oui et les cartes négatives vont représenter un non. D'accord? Quand vous faites le tirage, si vous avez des cartes positives, ça ne voudra pas dire que Paul va échapper à son procès, à son emprisonnement. Ça voudra dire que oui, il y va et il y reste. D'accord? Il faudra bien, vraiment bien penser à ça. À ce moment-là, vous pourrez dans votre tête, avec votre jeu, dire que si les cartes sont positives, ça voudra dire qu'il pourra y échapper et qu'il n'ira pas en prison. Et si des cartes négatives arrive, c'est que oui, il va aller en prison et il va subir sa peine. Donc il faudra bien être d'accord avec ça. Parce que là, c'est vraiment. Parce que quand, dans une réponse de oui et de non, on n'a qu'une chance sur deux. D'accord? Si vous adoptez la mauvaise interprétation, votre tirage sera erroné et votre réponse sera mauvaise. Alors faites bien attention à ça. Pensez-y. D'accord, et pratiquez le plus possible. Le plus que vous pratiquez, le plus vous serez à l'aise avec votre jeu et avec votre interprétation. La question de la semaine, c'est une question qui vient d'une abonnée de la chaîne. Si vous avez des questions vous aussi, vous pouvez les mettre dans la boîte de commentaires. Et chaque semaine, j'en sélectionnerai une qui servira à vous éduquer et aussi à, comment dire, à apporter des réponses. C'est peut-être des questions que vous vous posez déjà. Et c'est vraiment dans le but d'apprendre des cartes. D'accord? Comme je dis, je ne suis pas là pour pêcher le poisson pour vous. Je suis là pour vous montrer comment pêcher le poisson. D'accord? Et sa question est: qu'est-ce que je pense des cartes supplémentaires qu'on retrouve dans les jeux modernes du Petit Lenormand, c'est-à-dire un monsieur en plus, une dame en plus ou un enfant en plus? Donc, la première chose, c'est que moi-même dans mes jeux, j'ai rajouté ces trois cartes additionnelles. D'accord? Je l'ai fait
Ce n'est pas par, comment dire, par choix pour innover, c'est tout simplement que tout le monde voulait réclamer, donc je l'ai mis dans le jeu. Maintenant, si vous, vous ne voulez pas les utiliser, libre à vous de les mettre de côté. Moi, je me cantonne aux 36 cartes traditionnelles. Je ne lis pas les cartes additionnelles. D'accord? J'ai la carte qui représente une tierce personne homme et j'ai une autre carte qui représente la tierce personne femme, déjà présente dans le jeu original du Petit Lenormand. Pour les enfants, pour une fille ou pour un garçon, j'ai aussi mes cartes qui représentent ces personnes. Et comme je le dis, le Petit Lenormand est un oracle parfait. On a tout ce qu'il faut dans le jeu original. Donc je n'ai pas besoin de rajouter une deuxième femme, un deuxième homme, ou remplacer le chien par un chat, ou ajouter un chat pour un chien, ou remplacer les oiseaux par les hiboux, ou les hiboux par les perruches. Vous me suivez? Donc moi, je trouve que le Lenormand, il est parfait et qu'on devrait ben, le lire de la façon traditionnelle, la façon dont il a été fait. Imaginez-vous le jeu du Monopoly, que vous connaissez tous. On connaît tous ses règles, c'est très amusant, on sait comment le jouer. Maintenant, si demain, moi, je vous dis, on change les règles, d'accord? On va rajouter quelques terrains en plus, on va rajouter des nouvelles cartes. Ça va vraiment changer le, comment dire, le déroulement du jeu. Est-ce que le jeu sera plus amusant? On ne sait pas. Ou peut-être pas. Est-ce que le jeu sera plus compliqué? Certes, oui. Donc, cantonnez-vous pour l'instant, si vous êtes nouveau, si vous voulez pratiquer le Lenormand d'une façon traditionnelle, gardez ces 36 cartes. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, de tester les autres cartes additionnelles. Moi, je parle pour moi, je parle de mon expérience, je partage mon expérience avec vous. Maintenant, si vous vous trouvez que c'est mieux pour vous, par exemple, pour un tirage homosexuel, d'utiliser deux hommes à la place de la dame ou du monsieur, libre à vous. Mais sachez que vous allez perdre dans la profondeur des significations si vous altérez le jeu originel. Alors, pour la vidéo de cette semaine, je vais travailler avec mon petit Lenormand. J'ai réalisé que c'est un jeu que j'ai jamais fait de vidéo en français dessus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est mon tout premier Lenormand que j'ai créé il y a 7 ans de ça, je crois. Je pense, oui. C'était, voilà, j'avais créé un petit Lenormand. Parce que j'avais un atelier et j'étais aussi invité à parler dans une conférence et je voulais parler du Petit Lenormand et faire un jeu au fait qui reflétait un peu ben, mon opinion du Petit Lenormand et aussi ben, des images qui me plaisent. Donc c'est la version de luxe. Hein. Donc la version de luxe de mes jeux viennent dans une boîte comme ça. Il y en a certains où on peut graver le nom de la personne. C'était le cas pour le classique le Normand qui est devenu maintenant le Alexandre Mosrock le Normand Oracle Cards. Et donc voilà, et les tranches sont, voilà, comme vous le voyez, dorées et les images très vintage. Comme vous pouvez le voir, il y a les cartes à jouer, il y a le nom des cartes en français et vous avez, voilà, les images du petit le Normand. Comme par exemple pour les souris, j'ai voulu qu'elles soient un peu rigolotes pour enlever un peu le côté, on va dire, angoissant des souris. Donc voilà, le jardin, une image de près du jardin avec des fleurs et des papillons. Donc voilà, je vais utiliser ce jeu pour faire le tirage de cette semaine. D'accord, et comme je fais toutes les semaines, maintenant je vais faire 3 tas de cartes.
Et cela vous permettra de choisir un tas. Donc on va mélanger les cartes. Et je vais couper. J'ai envie de voir un peu l'énergie de cette semaine. Pour nous tous. D'accord? Je vais analyser la coupe. Alors, on a l'ours, une énergie très forte. Et nous avons la clé. D'accord. Donc, cette semaine, ce sera une énergie, une grande énergie, une énergie forte, une énergie protectrice. Et une énergie aussi qui est positive, qui nous aide à ouvrir un peu ben, les portes. Donc, je vais faire trois tas. À vous de choisir, comme on fait toutes les semaines. Tas numéro 1, 2 ou 3. Quelqu'un m'a demandé aussi dans quel ordre je lis les cartes. Donc, là, la troisième carte de ce tas, c'est le premier, bien sûr. Je mets 1, 2, 3. Donc je vais commencer par la carte du fond pour arriver à celle-là. D'accord? J'ai pas de pierre aujourd'hui pour mettre avec les cartes. Et il y a aussi une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur les pierres. Et les pierres sont des choses qui sont très intéressantes et ça aide beaucoup dans le travail énergétique, à s'ouvrir un peu à l'intuition et tout ça. Et je pense peut-être demander à mon ami Frédéric, qui est un passionné des pierres, qui connaît bien l'usage des pierres, il a étudié les pierres, il lit beaucoup de bouquins, donc il connaît son truc, quoi. Et on va peut-être faire une vidéo ensemble, où on va peut-être expliquer un peu les pierres communes qu'on trouve facilement et comment on pourrait les utiliser dans l'accartement, si dans l'intuition. Donc, je vais voir avec lui si c'est possible. Et aussi, vous, si vous voulez avoir un œil un peu plus expert sur les pierres, mettez en commentaire de cette vidéo si vous voulez qu'on fasse cette vidéo ensemble. Et voilà. Et donc, on pourra la faire pour encore apporter un peu plus à cette chaîne. D'accord? Donc, dites-moi dans la boîte de description si vous voulez qu'on fasse cette vidéo avec Frédéric. Alors, concentrez-vous sur vos tas. Voilà. Vous choisissez un tas. Et vous posez aussi une question, bien sûr, qui est une question assez fermée, qui peut être répondue par oui ou non. Et on commence par le tas numéro 1. Alors, on a pour le tas numéro 1 la première carte, le cercueil. La deuxième carte, le livre. Et la troisième carte, la tour. Alors moi, je commence toujours par la carte centrale, qui est la carte d'ancrage. Alors, cette semaine sera une semaine où vous allez avoir des réponses. D'accord? Des réponses. Vous allez avoir des confirmations sur les choses que vous avez pressenties, vues, ou sinon, oui, vraiment ressenties. Parce que là, quand je regarde la combinaison de cartes de la tour, et du livre, c'est vraiment l'éducation, la connaissance, et le cercueil, c'est l'au-delà. Donc, si vous avez pensé à faire une formation, ou sinon à lire un livre sur le pouvoir psychique, sur la médiumnité, sur vraiment s'ouvrir au, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais on dit Akashic Records. D'accord? C'est la librairie cosmique où c'est pensé que tout notre cheminement est inscrit là-bas et on peut y avoir accès. Et certaines personnes font des akashic readings, des voyances akashiques, et peuvent expliquer aux personnes leur leçon de vie, pourquoi ils sont ici et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller vers l'illumination. Mais là, c'est un côté vraiment très spirituel, hein. Donc cette semaine, pour moi, je vois que vous allez vous ouvrir beaucoup à cette partie de vous, votre inconscient, votre psychique, et aussi à mieux comprendre vos talents et vos dons. D'accord? Le cercueil ici, quand
Ça sort en tirage spirituel comme ça ne veut pas dire la mort. C'est vraiment la transformation, c'est vraiment l'autre côté. Tout ce qui est désincarné, tout ce qui est spirituel, le livre c'est la connaissance, et bien sûr avec la tour c'est l'élévation, on regarde la hauteur de la tour, et comme je vous dis, on interprète les cartes d'après le contexte que l'on lit ces cartes. D'accord? Donc votre réponse, si c'est oui, non, peut-être, on vous dit qu'il faut encore plus d'informations. D'accord? On ne peut pas vous donner de réponse là maintenant. En termes de réponse, le livre, lui, c'est une réponse inconnue. Parce que le livre est secret, le livre est bien gardé et c'est des informations qui sont inconnues. Donc là, on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas répondre à votre question maintenant. Il manque des éléments, il manque des informations. Donc c'est peut-être à vous aussi, on vous encourage peut-être à chercher plus au fond, à fouiller plus au fond, pour avoir plus de réponses. Les personnes qui font un bail pour louer ou plus, ce serait plus un appartement, sinon un bail commercial. On vous dit que cette semaine, il y aura une finalité, il y aura des choses qui vont être révélées, il y aura signature. Donc, si vous avez des choses qui sont en construction, si vous avez des choses qui sont en procès pour une liquidation. Donc toutes ces cartes sont là pour vous dire que cette semaine qui va arriver, il y aura des choses vraiment importantes qui vont se passer et qui vont pouvoir vous donner une idée de l'issue probable de la situation. D'accord? Donc ça, si vous avez choisi le tas numéro 1. Donc tas numéro 2. Alors nous avons la bague, carte 25. Nous avons la faux, carte 10. Et nous avons la clé. Carte, pas la clé, pardon, la croix, carte 36. Alors, carte centrale à faux, on va parler d'une rupture, d'une cassure, et probablement ici avec la lionne, c'est une séparation définitive, on me dit, hein, que ce soit à propos d'un contrat, que ce soit à propos d'un accord, et aussi que ce soit pour une relation. On vous dit que c'est très pénible. L'énergie est très lourde et avec la bague ici, c'est un cercle. C'est un anneau, c'est un cercle. On vous dit que vous êtes pris un peu dans un cycle infernal et que d'ici peu, ce cycle va se terminer. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger, loin de là. On vous dit qu'après cette fin, avec la faux, il y a encore des choses à être réglées avec la croix. Avec la croix, on n'est jamais fini. Il y a toujours des choses à mettre en place, il y a toujours des choses à alléger, il y a toujours des choses à purger. D'accord? Donc cette semaine, c'est vraiment, on vous dit que c'est pas encore fini. D'accord? Pour une question du oui ou du non, la réponse est non. On vous dit qu'il y a une continuité. Si vous avez posé une question sur la fin de quelque chose, on vous dit qu'il y a une continuité et que les choses restent lourdes, les choses restent difficiles. Donc vraiment, il faudra s'armer de courage cette semaine car il y a des choses qui pourront se briser. Aussi, je regarde la faux et la bague. Faites attention à vos montres, à vos bijoux, à vos objets précieux. Quand je dis précieux, c'est peut-être pas en termes de d'argent, d'accord? C'est peut-être en termes de valeur sentimentale, valeur émotionnelle, attachement émotionnel que vous avez avec cet objet. Parce que quand la faux se ramène, on présage toujours que quelque chose va être brisé, quelque chose va être cassé. Donc faites attention aux petites choses que vous aimez beaucoup, bijoux, montres, objets précieux. Donc faites attention parce que vous pourrez vraiment les perdre, pas qu'elles soient volées, mais qu'elles soient cassées. Alors, on continue avec le tas numéro 3 avec l'encre, les oiseaux et la cigogne. Alors, des trois tas, celui-là, c'est le meilleur, je pense, les oiseaux. Les oiseaux parlent de communication. Si vous attendez quelque chose à propos du travail, de votre milieu professionnel, de votre profession, on vous dit que vous aurez des nouvelles bientôt, des nouvelles qui vont être déterminantes avec l'encre. Et c'est toujours positif avec la cigogne. La cigogne nous permet de nous élever, de partir au loin.
Et vraiment, on vous dit que les difficultés que vous rencontrez maintenant ne seront pas là pour très longtemps. C'est des petites difficultés passagères, mais qui ne va pas quand même ébranler votre sécurité, si c'est là votre inquiétude. Pour la réponse du oui et du non, cette semaine, on vous répond oui. La réponse est oui, et c'est un oui qui est positif. D'accord? Aussi, c'est une semaine où... qui est pointé par les changements positifs, le retour du printemps avec la cigogne. On vous dit aussi que tomber enceinte, avoir un enfant, mettre un projet en route, pas nécessairement une grossesse, mais un projet, enfanter un projet, on vous dit que c'est un moment qui est vraiment propice. Donc si vous avez des choses à mettre en place, c'est vraiment cette semaine qu'il faut le faire. Donc voilà votre tirage pour cette semaine. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire pour voir un peu comment votre semaine s'est passée et comment les cartes ont pu, voilà, vous aider dans votre semaine et quelle interprétation ils ont pu bien démontrer, bien pointer. Cela aidera les autres personnes qui apprennent à tirer les cartes à pouvoir se focaliser et à pouvoir se retrouver dans les tirages. J'espère que la vidéo de la semaine vous a plu et qu'elle vous a apporté, comme toutes les semaines, de l'inspiration, de la compréhension et aussi du fun. C'est surtout pour ça aussi que nous sommes ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande maintenant de cliquer sur le petit bouton pour s'abonner. C'est totalement gratuit. Il n'y a aucun engagement, vous ne payez rien du tout. Tout simplement, c'est vraiment pour montrer que la chaîne à des personnes qui aiment cette chaîne et qui la supportent. Et aussi pour vous, quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, YouTube vous enverra une notification pour vous faire savoir que Alexandre a posté une nouvelle vidéo. Parce que maintenant, il n'y aura pas que les vidéos du dimanche. Je compte faire de temps en temps une foire aux questions, des petits tirages inédits. Je ne vous dirai pas trop. Vous découvrirez au fil du temps, mais sachez qu'on ne va pas rester qu'aux vidéos du dimanche. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir, il y aura d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne pour vous aider à grandir, pour vous aider à comprendre mieux les oracles et comment avancer. Et aussi, je vous demanderai de mettre un petit pouce bleu. Cela permet à YouTube de modérer la chaîne. De pouvoir, si les gens font des recherches par exemple sur le petit Lenormand ou le tirage de cartes, ça permettra aux personnes qui font les recherches dans le moteur à trouver notre vidéo, notre chaîne plus facilement. Donc voilà. Et aussi, bien sûr, j'adore lire vos commentaires quand je prends mon café le dimanche, quand j'ai un petit peu de temps, j'aime bien voir vos commentaires. Je prends quand même le temps de vous répondre, même si je ne fais pas de grandes phrases. Je mets toujours un petit émoticône, un petit pouce, un petit merci, une petite étoile. Donc toujours, il y a une interaction entre vous et moi. Et vous verrez que souvent, des fois, quand vous me posez des questions qui est reliée à la divination, je prends le temps quand même de vous répondre. Donc, mettez vos questions. Et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes dans les groupes d'études sur le petit Lenormand, sur la divination, de partager le lien de cette vidéo dans votre groupe. D'accord? Ce serait pas mal de voir d'autres personnes découvrir la chaîne. Et ce qui est positif, c'est que de semaine en semaine, le nombre d'abonnés augmente. D'accord? Et ça, je vous remercie encore. C'est vraiment signe que ce que je partage avec vous, c'est vraiment quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose que vous appréciez. Et moi, j'aime bien, voilà, consacrer ce petit temps avec vous, ce petit rendez-vous avec vous, où on partage, on s'ouvre. Je vous donne les informations à cœur ouvert. Et aussi, ben, n'oubliez pas de regarder les chaînes de nos amis, Julien Gabriel, Solveig et d'autres personnes encore qui font des tirages de la semaine. Je pense que si vous rajoutez à mes guidances aussi d'autres guidances de ces personnes-là, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des énergies qui vous entourent et comment les utiliser pour créer voilà, une vie harmonieuse et voilà, et vivre une vie comme vous avez envie de la vivre. D'accord? Donc je vous fais tout plein de bisous.
N'oubliez pas que mon jeu sort dans quelques semaines à peine, et mon livre aussi. Donc, si vous n'avez pas encore le jeu, le Alexandre Musruc, le Norman Oracle Cards, vous trouverez le lien sur dessous la vidéo, dans la barre de description, et vous trouverez le lien, d'accord, le lien qui vous guidera vers Amazon et vous pourrez précommander ce jeu qui vraiment, franchement, il n'est pas cher, hein. Il coûte 14,99 $, un peu moins de 13 euros, on va dire. Et Amazon, comme vous savez, livre partout et les frais de port ne sont pas excessifs. Donc vous aurez un beau jeu avec une belle qualité, de belles couleurs, pour pas cher. Et vraiment, j'aimerais bien que tout le monde qui suit cette chaîne puisse avoir son exemplaire et on pourra pratiquer de semaine en semaine avec ce jeu pour avoir, voilà, encore de la guidance, encore des précisions et encore plus, d'inspiration. Belle semaine à vous tous. Je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, prenez soin de vous.